Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce sourire vous démontre que je suis très heureux, comme toujours, d'être des vôtres dans vos salons pour cette grande émission Profondeur que vous attendez. Tout de suite, je vais vous présenter mes invités. Je commence par Modeste Mbonigaba. Modeste Mbonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir. Vous êtes le doyen de cette émission. Tout l'honneur vous est dû. C'est pour cela que j'ai commencé par vous. Alors, on va aller chez mon voisin de gauche qui s'appelle Moussenga Kalambaye Jean-Patrick. Comme moi, je le professe dans Profondeur, on commence par le prénom. Alors, je dis Jean-Patrick Moussenga Kalambaye. Bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Merci de me faire l'honneur de m'inviter aujourd'hui dans Profondeur. Ce n'est pas la première fois. Bien sûr. Les téléspectateurs vous reconnaîtront. Alors, le plus jeune, c'est un avocat. Il s'appelle Julan Ngoy Loliti. Il est avocat. Voilà pour les précisions. Le développement, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas demain. Le développement, c'est aujourd'hui. On ne va pas attendre demain. Les autres n'ont pas attendu demain pour qu'on ait le développement. Alors, vous devez vous interroger sur l'opportunité d'un titre comme celui-là, parce que c'est une évidence. Modeste Mbonigaba, pourquoi le développement, c'est aujourd'hui? Ben, parce que les besoins essentiels qu'il faut satisfaire ne peuvent pas attendre. Se loger décemment. Éduquer convenablement ses enfants, se soigner de façon correcte, avoir des loisirs, le temps des loisirs, bref, mener une vie convenable, oui, décente. On ne peut pas remettre ça plus tard. Nous, le Congo, nous étions au même niveau de développement en 60 que la Corée du Sud. Le Canada. Le Canada. L'Afrique du Sud, d'ailleurs, disait qu'on était un peu en avance sur eux, légèrement. Aujourd'hui, la Corée du Sud aligne 1500 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Nous, on arrive difficilement à 50 milliards, c'est-à-dire 30 fois moins. Effectivement, on voit maintenant les Made in Corée, tout ça, nos téléphones, les véhicules, etc. Donc, eux, ils ont compris que... On ne devait pas attendre. Il ne fallait pas attendre. Nous, ça fait 62 ans qu'on est occupé à autre chose, sauf à ça. On va y revenir. Alors, le plus jeune, Julan Ngoy Loliti, pourquoi le développement c'est aujourd'hui? Merci énormément pour d'abord accepter de me laisser voir dans votre, oh non, c'est... De votre émission. C'est tout vrai. Alors, le développement c'est aujourd'hui. Alors pourquoi? Je vais dire que parce que nous, Congolais, nous devons prendre conscience de quitter l'étape de la pauvreté. Parce que ça fait longtemps, M. Mbonigaba l'a rappelé, ça fait 70 ans que notre pays croupit dans la misère. Donc, le développement, il ne faut pas remettre pour demain. C'est aujourd'hui. Il faut conjuguer des efforts, conjuguer nos énergies pour que le Congo aille de l'avant. Merci. Merci. Alors, Monsieur Moussenga Kalambaye, sociologue, c'est à vous de tout nous dire. Justement, le développement, c'est aujourd'hui parce que l'humain est différent des autres êtres vivants, mais aussi différent du reste de la nature.
L'humain ne peut pas se contenter de vivre la même chose, de faire la même chose, et cela tout le temps. Parce que les autres êtres vivants, qu'ils soient des animaux ou les végétaux, se contentent de ce qu'ils sont depuis des lustres. Mais l'humain, lui, parce qu'il est doté de plus d'intelligence, il fait un effort pour améliorer la qualité de vie. Et c'est cette amélioration de qualité de vie qui le pousse à innover, à quitter les habitudes anciennes et aller vers de nouvelles qui lui faciliteraient la vie et aussi fera en sorte qu'il puisse soit prolonger la durée de vie, qu'il puisse réduire la douleur qu'il y a en obtenant quelque chose ou en faisant telle autre chose. La pénibilité, justement, travail. Justement. Donc, cela fait en sorte que l'humain soit tiré vers le développement. Et le développement, c'est aujourd'hui. Il ne faut pas attendre, comme mon aîné a dit. Il ne faut pas attendre parce que lorsque l'on attend, on est semblable aux bêtes. Aujourd'hui, une famille d'éléphants qui vit dans une jungle quelque part fait un effort juste pour protéger là où il vit et c'est fini. Il ne sait pas planter, il ne sait pas irriguer l'eau dont il a besoin. Il se contente de ce que la nature lui a offert. De ses habitudes. Et l'humain ne doit pas rester à ce stade. L'humain doit aller à l'avant, ce qui fait qu'il doit déjà se dire, aller de l'avant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Alors, Monsieur Bonikaba, les téléspectateurs qui nous suivent religieusement depuis des années vont peut-être être surpris de savoir, nous l'avons déjà dit et répété, qu'il y a des raisons qui font en sorte que la situation en soit là, dans cette attente du développement qui viendrait demain et peut-être de quelque part. Oui, effectivement, pourquoi en sommes-nous là? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser, parce que comme vient de le dire notre ami Patrick, on devrait logiquement faire comme il a dit. Mais pourquoi cela ne se passe pas de cette façon-là? Eh bien, c'est certainement pour plusieurs raisons, dont la plus importante pour moi, c'est qu'on n'a pas la mentalité du développement. Très bien. Tout simplement. La mentalité du développement, c'est ça qui devrait nous pousser à nous comporter, comme l'a dit notre ami Patrick. Parce que on devrait commencer par regarder la nature qui nous entoure. Tiens, tout ça, c'est pour nous. Moi. Je suis celui qui peut domestiquer, qui peut transformer, qui peut améliorer cet environnement pour le rendre plus agréable pour moi. Mais pourquoi nous, Congolais, Africains en général, n'avons pas l'air de nous comporter de cette façon-là? C'est certainement dû à notre histoire récente, relativement récente, parce qu'on nous apprend que dans l'ancienne époque pharaonique, nous étions les maîtres du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On saura peut-être un jour, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons connu 4 siècles de traite négrière, à nous Africains ici, suivi d'un siècle de colonisation qui était le prolongement de la traite négrière, parce qu'on a voulu maintenant nous utiliser localement au lieu de nous exporter pour aller faire les plantations ailleurs. Et manifestement... J'aime bien... Donc, local. OK. Alors, donc, on se rend compte que 62 ans maintenant pour nous, après l'indépendance,
n'y a pas grand-chose qui a changé, à part le fait que l'encadrement autochtone a remplacé l'encadrement colonial. Mais seulement l'encadrement. Mais le maître de tout ça, lui, est resté à son poste. Parce que manifestement, cet encadrement ne fait que ce que on faisait avant, c'est-à-dire la période coloniale. Nous, on n'avait pas, on était des ouvriers, pas du tout des acteurs pour dire, mais ici, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même un peu améliorer ceci? On nous dictait. On n'avait pas droit à la parole. On devait juste exécuter. Et 60 ans après, la mentalité qui est la nôtre, c'est la mentalité d'assister. Nous avons toujours été assistés et donc nous ne pouvons pas faire autre chose que ça. Nous attendons que le Père Noël vienne distribuer des cadeaux et tout ça, au lieu de nous dire, mais non, attendez, c'est nous-mêmes qui devons transformer. Nous avons tout ce qu'il faut pour produire des richesses. Nous pouvons faire appel à la connaissance. Les Japonais, c'est ce qu'ils ont fait. Les Japonais, quand ils se sont ouverts au monde en 1860, ben, ils sont tout simplement demandés, ils ont dit aux jeunes, bon, vous allez là-bas, allez prendre leur connaissance, vous venez, on fait ça chez nous. Ils ont fait ça, les Chinois ont suivi. Tout le monde fait ça, sauf nous. Nous, on n'a même pas compris que c'est ça, c'est pas là qu'il faut commencer. Donc, nous sommes le produit d'une histoire qui a fait que nous avons une mentalité qui nous bloque. Cette mentalité n'est pas une mentalité de bâtisseur. Parce que pour développer, il faut avoir la mentalité de bâtisseur. Mais vous savez, vous ne croyez pas si bien dire, parce que nous, quand nous allons en Europe, c'est pour admirer ce que font les autres et condamner ceux qui sont restés, leur dire, voilà, nous sommes ici, nous avons la belle vie, vous êtes là, insulter nos dirigeants, ou ce que vous appelez nos encadreurs. Donc, jouisseur, au lieu de se dire, tiens, ce que j'apprends, je vais aller faire en sorte que ça puisse servir chez moi, pour que chez moi puisse devenir pratiquement ce que je vis. Donc, des cueilleurs, tout ça. Simplement. Oui, je vous remercie beaucoup. Des raisons. Pourquoi nous sommes en restés là? Parce que pourquoi nous ne sommes pas développés? Comme venait de dire M. Modeste Bonegaba, on ne peut pas s'en passer du passé colonial. Parce que cela produit des effets néfastes. Surtout chez nous, les Africains. Alors, lorsque l'homme blanc est arrivé ici avec la politique de la colonisation, il n'avait pas pour objectif de nous faire développer sur le plan économique et culturel. Il a mis une politique en place pour mieux exploiter l'homme noir que nous sommes. Entre autres, il a commencé par méconnaître nos valeurs culturelles. D'ailleurs, tout ce que nous possédons comme valeurs culturelles, il faut les nier. Il faut le faire oublier. Table rase. Faire la table rase. Que nos pratiques ancestrales, c'est la sorcellerie. Et cela. Fétichisme. Donc, tout cela. Et puis, pour nous appauvrir, il a commencé de s'accaparer de nos richesses. Qu'il faut dépouiller l'homme noir de toutes ses richesses. En commençant par dire, la terre que j'ai trouvée en Afrique, c'est une terre sans maître. C'est ce qu'on appelle res nullus. Donc, c'est une terre qui appartient à personne. Et il a commencé à exploiter comme il voulait. Et l'homme noir, du coup, s'est trouvé appauvri. Appauvri. Et quand on est appauvri, on est à la merci de celui qui
C'est lui qui s'est enrichi, donc au détriment de nos populations. De nos populations. Alors, cela a conduit à, n'est-ce pas, donner une, je peux dire, une image ou un réflexe négatif en homme noir. Du fait donc de nous nous sommes sentis inférieurs. Inférieurs. Oui. Donc, il faut nier ses valeurs culturelles, donc l'acculturer, le déposséder de ses richesses. Alors, l'homme noir n'avait plus confiance en lui. Il n'avait plus confiance en lui. Et quand on n'a pas confiance en soi. En soi, oui. Bah, on est à la merci de l'autre. Oui, on est à la merci de l'autre, oui. Alors, Mr. Patrick. Alors, merci pour la parole. Vous voyez, lorsque nous parlons de cause, nous ne pouvons pas seulement faire ce que Sartre disait. L'enfer, c'est des autres. Nous avons, pour le développement, deux types de causes. Il y a des causes exogènes et des causes endogènes. L'on peut bien parler de causes exogènes, mais nous-mêmes, nous avons une responsabilité. Vous savez, j'ai lu Abdel Kabou. Il a intitulé un livre Abdel Kabou. Il a écrit un livre intitulé « Et si l'Afrique refusait de se développer ?» Dans ce livre, il montre que, et puis Samir Amin aussi, a écrit « L'on ne développe pas un peuple, mais on se développe avec. » Je voudrais faire la jonction de ces deux pour montrer que l'on peut venir nous imposer un soi-disant développement. Et si nous nous refusons, ça ne va pas marcher. Nous pouvons vouloir nous développer. Mais si les autres nous bloquent, ça ne va pas marcher. Donc, le développement tel que nous le concevons, c'est une synergie entre ceux qui doivent atteindre le développement. Faudra-t-il encore souligner que le développement est juste un idéal que nous poursuivons. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Occident s'est développé. Mais l'Occident ne s'est pas arrêté. Parce que lorsque l'on atteint ce que l'on cherche, eh bien, on a... Mais l'Occident continue à aller, ça veut dire... Lui-même, l'Occident n'est pas satisfait du niveau qu'il a atteint. Oui, parce qu'il y a les autres qui font également des efforts pour le dépasser et qui l'ont peut-être déjà dépassé. Justement, vous allez trouver que le niveau du développement qu'il y avait en Occident en 1960, si nous transplantons cela en 2022, l'on va trouver que ce n'est pas un développement. Donc, nous disons que c'est un idéal qu'on poursuit parce que le point de chute que nous poursuivons se déplace. Donc, il va falloir travailler. Ça, je suis déjà dans les propositions, excusez-moi. Il faudra que nous puissions voir ce que notre part à nous comme cause endogène et, bien sûr, la part des autres, qui sont de causes exogènes. Il faut que nous soyons en mesure de travailler suffisamment sur les causes qui nous touchent nous-mêmes. C'est quoi? C'est l'ignorance. C'est la haine. C'est pratiquement la tribalisation. Bon, tribalisme... Bon. Mais mon cher Patrick... Et tout ça. Mon cher Patrick, tout cela, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte... Tout ça a été construit pour justement nous asservir. Mais c'est nous qui ne nous rendons pas compte qu'il faut sortir de justement. Ils ont semé cela et ça demeure dans notre subconscient. Moralement, nous avons été agressés et ces relents demeurent, n'est-ce pas? Oui, c'est... Effectivement, nous avons comme... des chaînes invisibles. Nous sommes enchaînés
sans que cela soit visible. Apparent, visible. Parce que lorsque la mentalité est celle du colonisé, c'est ce que Mabika Kalanda avait relevé juste au moment où nous sommes devenus indépendants. Il a dit, il faut d'abord remettre en question le système qui nous a conduits jusque là où nous sommes, pour que sur le plan mental, nous partions sur des bases saines. Eh bien, personne ne l'a suivi. Mais je crois même, modeste, que Mabika Kalanda devait être placé parmi des héros, parce que ce type-là, il a vu clair avant tout le monde. Oui. Oui. Nous allons bientôt célébrer les héros Lumumba et Kabila. Celui-là, afin que nous puissions changer, il faudrait l'élever, je crois. Absolument. Il y a Kimbangu, mais Mabika Kalanda nous a montré le chemin nous n'avons pas suivi. Oui. Et nous avons eu tort. Oui, je crois que nous avons eu tort parce que la colonisation est toujours là. Elle est toujours là. Parce que lorsque je disais tout à l'heure, et Patrick a bien montré que nous avons des causes endogènes et exogènes, et qu'il s'agit d'un combat. Ce n'est pas une sinécure. Ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas surprise partout, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, c'est vraiment un combat. Et ce combat-là est d'abord mental. C'est pour cela que aujourd'hui, nous sommes dans un système qui nous mène là où il veut. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique que la démocratie, par exemple, c'est ça, à l'occidental, je précise, c'est ça la clé de notre développement. Manifestement, ça ne donne pas. On a compris que ce n'est pas du tout ça. Regardez ce qui se passe au Brésil. Hein. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, il y a certainement des choses que nous devons inventer nous-mêmes pour répondre à certaines questions, à certains problèmes qui nous sont spécifiques et qui nous ont été imposés, comme l'a dit M. Kibambi. Et ce combat-là, c'est ce combat qu'il faut commencer aujourd'hui. Parce que le développement, nous ne pourrons l'atteindre que si nous avons d'abord réussi à gagner ce combat sur nous-mêmes, pour comprendre que nous n'avons pas encore acquis la mentalité de développement, qui est celle de bâtisseur, d'entrepreneur. Et de gagneur. Et de gagneur, de conquérant. Voilà. Parce que nous avons un espace ici, notre pays, c'est nous qui devons le conquérir, le posséder. Mais là, on laisse les autres venir, il vient, il met ceci, nous on est là en train de regarder. Après, on se plaint que les gens sont en train de nous envahir. Mais c'est parce que nous n'avons pas suffisamment montré que nous avons réellement pris possession de notre espace. On a donné l'impression que l'espace est abandonné à tout venant. Celui qui vient, il peut acheter telle autorité là-bas. Il a des papiers pour ceci, des papiers pour cela, et il s'installe. Il faut qu'on arrête ça. Vous savez, moi j'ai eu la chance d'être en Chine quand le tournant s'est fait. On nous disait, mais Deng Xiaoping, c'est au péril de sa vie qu'il a... Parce que les gens ne l'ont pas compris tout de suite. Quand il s'est ouvert, il a voulu conduire vers l'ouverture au monde. Ça va se faire en risquant même sa propre vie, parce que ce n'est pas normal ce qui se passe, bon Dieu. Nous n'avons pas de milliardaires, ce n'est pas normal. Et ceux qui ont des kin marché, tout ça, ils ont des milliardaires, et nous, on va pas rester là comme ça, parce qu'on nous donne un peu, on nous donne 1 million à la fin de l'année, nous sommes contents. Ah non, il faut être milliardaire et encourager à s'enrichir. Monsieur, je parle trop. Loliki. Bien sûr. Donc, pour moi, je pense qu'il est ici question de remettre en cause le système qui nous a conduits jusqu'à ce niveau. Alors, j'insiste sur les causes exogènes, pas endogènes, parce que avant l'arrivée de l'homme blanc,
il a procédé par une étude. D'abord, il y a eu la crise en Europe, la crise économique, et cette crise qui a poussé les Occidentaux d'aller conquérir de nouveaux territoires pour résoudre leur crise. Alors, ils ont mené des études. Ils ont étudié l'homme noir, ils ont étudié l'Afrique. Et ils ont mis une politique en place. Et cette politique demeure jusqu'aujourd'hui. Nous la pratiquons. C'est dans nos textes de loi. C'est dans notre administration ici. Donc, pour ne pas anticiper, commencer déjà à proposer, moi je dis, il faut d'abord étudier le méfait de ce que l'homme blanc, n'est-ce pas, a mis en place pour mieux nous exploiter. Et surtout, plus je parle de conséquences psychiques, l'acculturation de l'homme noir. Vous vous souviendrez, bon, moi je suis très jeune, mais j'ai entendu parler des évolués, de l'homme blanc à la peau noire. Ce sont des gens qui voulaient vivre comme des blancs, parler, manger et se vêtir. Et c'est exactement ce que l'homme blanc voulait. C'est l'homme blanc, puisque vous êtes jeune. En fait, c'est l'homme blanc qui venait inspecter les maisons des évolués. Pour être évolué, il fallait que vous soyez en famille, vous sachiez manger comme eux. Et voilà. Donc, ils ont voulu ça, et nous avons suivi servilement. Servilement, malheureusement. Si nous devons continuer à suivre ça servilement, c'est que nous n'avons rien compris. Patrick. Vous voyez, moi je ne suis pas opposé à l'aspect de copier. Mais seulement, il y a un problème. Il faut savoir bien copier et copier ce qui est important. Parce que même l'Occident a copié. L'Occident, aujourd'hui, la science, on démontre que la science n'était pas l'apanage de l'Occident. Plutôt, c'est la science vient de l'Afrique. L'Occident a copié, mais il a copié ce qui était important pour lui. Et quand il est allé avec, il a amélioré. Nous, par contre, avant l'arrivée de l'homme blanc, nous n'étions pas engagés dans la dynamique d'amélioration. Non, nous étions dans l'état de suffisance. L'homme noir s'est contenté de cet état. Je mangeais, je bu, ça suffit. Il pouvait aller au champ, cultiver juste pour lui, sa famille, ses enfants, et ça lui suffisait. Mais c'est avec la révolution qui a eu lieu, l'âge des Lumières et tout ça, que l'on a trouvé qu'il y avait plus la surproduction qu'on pouvait écouler ailleurs. Et qu'on a eu plus besoin de main-d'œuvre. Ils sont venus. Quand ils sont venus, ils ont trouvé l'homme noir dans cet état. Mais si, stagnant. Oui, Patrick, si nous admettons que l'Égypte et pharaonique était noire, moi j'ai visité les musées, eh bien, à l'époque, on pouvait opérer, j'ai vu des instruments, on opérait les gens. Et si nous admettons que la civilisation égyptienne était noire, donc, il y avait déjà des efforts que les autres sont venus copier pour améliorer. Justement, moi, je ne me situe pas dans cette histoire antique. Je me situe dans l'histoire moderne qui a commencé avec la traite négrière. Mmh. Vous voyez, la traite négrière est venue lorsque l'homme blanc a découvert que l'homme noir est devenu faible. C'est cette période-là que l'homme noir a commencé à vivre dans l'état de satisfaction.
Il s'est contenté seulement, bon, mes besoins sont satisfaits, point trait. Il ne voyait pas demain, il ne voyait pas comment améliorer. Lorsque eux sont venus copier la science, ils sont allés développer cette science, l'adapter à leurs problèmes. Par exemple, en Afrique, nous n'avons pas de problème de froid. Pas beaucoup. En Afrique du Nord et puis un peu en Afrique du Sud. Mais la science a commencé en Afrique. Ils ont amené cette science, ils ont créé les systèmes de chauffage, ils ont créé beaucoup d'autres systèmes adaptés à leurs conditions. Nous, nous devrions comprendre que Dieu nous a donné une terre riche, que nous pouvions aussi avoir un imaginaire collectif pour créer des choses qui s'adaptent à nous. Maintenant, nous ne faisons que copier ceux qui sont à eux. Est-ce que cet imaginaire n'a pas été étouffé parce qu'ils avaient besoin de nous exploiter pour aller améliorer leur quotidien? Justement, je ne voudrais pas monopoliser la parole, c'est ça. Normal, on dit que la vie humaine est une lutte. Quand ils sont venus, ils ont tout fait pour nous maintenir sous leurs bottes. Modeste Modigaba. Oui. Mon ami Didier Moumengue a même trouvé la date où tout a basculé. Il dit que lorsque l'homme blanc est venu au contact de l'Afrique pour la première fois, il a rencontré des structures étatiques tout à fait développées, une organisation qui était semblable à la leur. Mais, par la ruse, il a réussi à faire basculer les choses, et de quelle façon? Lorsqu'il s'est rendu compte que sa supériorité sur le plan militaire, disons-le comme ça, lui il avait l'arme à feu, nous on était encore à l'époque des flèches et tout ça, donc il a compris que ça pouvait faire basculer le rapport des forces, et c'est effectivement à ce moment-là que tout bascule. Parce que nous, les Africains, nous rendons compte que nous sommes très vulnérables face à, face à ça. Donc, et c'est là où la domination commence. Parce que la traite démarre immédiatement après. Parce que à ce moment-là, nous, on ne sait pas résister à ça. Pour corroborer ce que je viens de dire, le premier contact avec les Portugais s'est conclu par le voyage d'un fils du roi en Europe. Il est parti, pas comme un esclave ou un ouvrier, mais comme un grand seigneur. Donc, à ce moment-là, le respect était encore mutuel, tout à fait d'égal à égal. Jusqu'au moment où il découvre que, en fait, nous nous sommes supérieurs parce que nous pouvons les dominer par l'arme à feu. L'arme à feu. Donc, tout bascule à ce moment-là. Et ils se disent, tiens, mais on peut même les amener, faire les travaux là-bas et tout ça. La traite démarre sur cette base-là. Et c'est pour ça que l'histoire qu'on nous a enseignée, essaie de ne pas rappeler les choses d'avant. Oui. On aime surtout nous parler que donc le contact là... L'histoire commence... Quand le contact est né, le reste là, c'est des fétichismes. Oui. Donc, manifestement, d'abord, on minimise le passé antique, alors que c'est pas possible, on ne peut pas minimiser ça. Eux-mêmes ont puisé leur savoir dans ce même creuset, l'Égypte. Oui. Mais ils ont tout fait d'abord pour nous cacher que c'était les Noirs qui étaient là. Donc, manifestement, il y avait une volonté de déformer l'histoire. Absolument. C'est Kadadur, pour avoir son diplôme, il a souffert. Voilà. Donc, manifestement, nous devons réécrire notre histoire pour bien montrer que nous étions
un peuple presque suffisant. Développé, supérieur en beaucoup de choses. Maintenant, il y a l'autre qu'on vient de tuer, Omotunde, qui avait encore développé davantage. C'est ce que Cheikh Anta Diop avait déjà montré. Et manifestement, c'est cette voie-là qui nous permettra de nous réapproprier notre histoire pour mieux nous engager dans l'avenir. Parce que si nous continuons à considérer l'histoire comme on nous l'a enseigné par nos amis là, eh bien, nous allons continuer à nous croire inférieurs. Donc il faut absolument que cela soit réécrit pour que clairement on montre que l'Afrique n'a pas toujours été comme ça. Et qu'elle peut, elle peut s'en sortir, elle peut se relever si l'homme africain prend conscience qu'effectivement il est aussi égal que à l'européen, ou mais la preuve, à l'asiatique, ainsi de suite. La preuve, cher ami, c'est que si moi j'épouse une européenne, on fera des enfants, nous sommes égaux. Bien sûr. Écoute, c'est assez trivial, mais nous sommes tout à fait les mêmes. D'accord ? Bon, alors on va passer au remède. Qu'est-ce qu'il faut faire, mon Dieu ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que tu vois, les Blancs, ils étaient très malins. Ils sont venus même nous inoculer l'amour du diplôme, enfin leur diplôme. Et aujourd'hui, on se gargarise, on est heureux, j'ai eu mon diplôme. Quel diplôme ? Ça ce continue. Mythe du diplôme qui est en train de faire en sorte que mon ami Patrick est à la recherche du doctorat, un garçon aussi intelligent. Mais pourquoi pas le doctorat ? Bon, c'est bon, hein ? Mais tout le monde veut devenir aujourd'hui docteur. Au lieu peut-être... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous sortir de ce piège, mon Despolyama ? Eh bien, il n'y a pas... Pour réinventer notre avenir. Il n'y a pas 36 voies. Il n'y a pas 36 voies. Nous devons changer l'homme. Lorsqu'on dit ça... On croit que, oui, mais ça devient changer l'homme, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, il faut changer l'homme pour que son mental devienne le mental de quelqu'un qui veut se développer, qui veut effectivement maîtriser son destin. Et ça, nous avons même un mode opératoire pour changer l'homme congolais. Nous avons un mode opératoire, parce qu'en fait, vous savez, ce qui nous tue d'abord, c'est le fait que nous on ne sait pas qu'on est, nous les citoyens mis ensemble, c'est nous le patron. Le patron, ça veut dire le Congo, chaque pays c'est pareil, et la propriété des Congolais en tant que peuple. Mais comme l'homme blanc a compris que il fallait justement travailler sur ça pour que nous ne soyons jamais un vrai peuple et que nous soyons plutôt un assemblage de tribus, comme Patrick l'a montré. Ce sont ces pièges-là qu'il faut casser un à un. Comment faire en sorte que les Congolais cessent de se sentir d'abord comme membres d'une tribu, surtout lorsqu'ils sont en train de s'occuper des problèmes au niveau national? Parce que la tribu, c'est une réalité locale. Quand vous êtes dans votre coin, ben vous êtes entre vous, vous êtes dans une tribu. C'est une réalité locale qui est là, culturelle. Mais lorsque vous êtes au niveau national, il n'y a plus de tribu là-bas. Ce qui est là-bas, c'est le Congo. Le Congo qui appartient à des Congolais conscients d'en être les propriétaires. Je voudrais t'interrompre un peu pour te dire que tout le monde reconnaît que sur ce point-là, le Congolais tient à l'unité. C'est extraordinaire. Tout le monde le reconnaît, parce que ça veut dire qu'ils ont tenté à plusieurs reprises de vouloir nous arracher quelque chose. Ils n'ont pas pu, parce que nous tenons à cette unité-là. Nous avons effectivement cette chance, oui, de n'avoir pas, disons, succombé. C'était le flanc, oui. Aux tentations séparatistes, oui. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Comment ? Mais il y a toujours eu un sursaut pour dire non, 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 pas question, on reste ensemble. Il y a plus à gagner ensemble que diviser chacun dans son coin. Ça, c'est une réalité. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut que dans la gestion de l'État, le comportement soit celui
du citoyen qui voit le Congo comme un tout. Et comme sa chose. Oui, et c'est quelqu'un qui pense Congo. Il ne pense pas, oh mon coin là-bas, non, il n'y a pas de coin. Au niveau national, tu penses Congo. On ne peut pas venir te dire, mais attention, bon, pour ceci, il faut d'abord aller arranger un peu chez vous. Chez vous, c'est où? Chez vous, c'est le Congo. C'est partout au Congo. Donc, c'est ça qu'il faut construire. Et c'est vrai que ce n'est pas fait jusque maintenant. Les gens, chacun a ce réflexe-là de se replier sur son coin. Mais c'est ça que nous devons casser. Les pièges qui font qu'on n'arrive pas à réfléchir, à projeter les choses en tant que Congo. On projette toujours les choses. On dit, bon, moi, je me bats pour être là-bas. Mais une fois arrivé, bon, je vais d'abord faire la promotion de mes frères. Oui, mais tes frères, c'est qui? Tes frères, c'est qui? C'est... Tous les Congolais sont tes frères. Donc, il y a une organisation nouvelle qu'il faut mettre en place pour, en quelque sorte, pousser les gens à se comporter comme ça. Parce que ça ne vient pas comme ça tout seul. Il y a une organisation, d'abord, qui fasse en sorte que seuls les meilleurs d'entre nous émerge dans tous les niveaux, dans tous les domaines et à tous les niveaux, qui fasse en sorte que les moins bons d'entre nous, les médiocres, ne puissent pas aller au-delà d'un certain niveau. Tout ça, c'est une affaire d'organisation. Nous pouvons faire en sorte que désormais, à chaque fois qu'on doit choisir pour gouverner au niveau national, nous pouvons décider que nous puissions avoir les meilleurs députés d'Afrique. Ah oui, parce que si nous décidons, eh bien nous allons mettre les moyens en place pour que, effectivement, seuls les meilleurs d'entre nous soient élus. Eh bien, s'ils sont élus, ils vont à leur parlement là, panafricain, c'est eux qui vont les diriger, parce que tout le monde va se rendre compte que, c'est eux qui ont la vision de l'Afrique, etc. Et si cela est transposé à tous les États africains, c'est là qu'on ne va plus seulement parler de l'unité continentale, on va la vivre. Parce que si tous les élus sont des panafricanistes, c'est fini. C'est fini. Donc vous irez à Addis Abeba, juste pour maintenant les modalités, comment on le fait. Le toilettage. Il n'y aura personne là-bas qui va aller téléphoner à Macron pour lui dire, mais attention, maintenant ici, quoi que vous n'aurez plus rien ici, hein. Parce qu'il y a de nos chefs d'État, il y en a qui sont comme ça, des agents locaux de ces puissants-là. Donc, il y a une organisation nouvelle qu'il faut mettre en place pour que, à chaque élection, seuls les meilleurs d'entre nous émergent. Voilà. Oui, en termes de proposition, moi je dirais qu'il faut casser la politique coloniale, parce que j'en suis convaincu que jusqu'à aujourd'hui, nous pratiquons cette politique. Là, j'interpelle plus les autorités qui ont le moyen de pouvoir procéder aux réformes des institutions. Parce que, M. Guiban, M. Chitoua, aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours. Il faut passer à la mise en œuvre, aux actes. Il faut concrétiser. Alors, pour concrétiser, il faut éveiller la conscience. Il faut que le Congolais puisse s'approprier de sa terre, ne pas laisser aux autres, comme nous voyons aujourd'hui, les Chinois, les Pakistanais, qui sont à l'intérieur du pays, en train de cultiver, en train de faire la pêche, en train d'étouffer. Donc, l'homme congolais doit prendre conscience que ce pays lui appartient, c'est à lui. Très bien. Patrick. Merci beaucoup. Je voudrais juste les compléter ou ajouter un petit rien sur ce qu'ils ont dit. Ils ont déjà émis de très, très belles pensées pour résoudre ce problème. Le développement a pour clé le travail. Lorsque l'on ne travaille pas, l'on ne peut pas penser se développer. Alors, il y a des préalables. Il faut
créé les richesses. Et pas seulement le créer, mais il faut avoir une organisation, comme mon aîné Modeste l'a dit, une organisation qui redistribue ses richesses équitablement. Et faire en sorte que chacun se retrouve dans le domaine dans lequel il participe à la création de ses richesses. Très bien. Sans les richesses, on ne va aller nulle part. Et moi, je vous complète, cher ami Patrick. Il faut créer des riches. Des riches congolais, il n'y a pas de milliardaires au Congo. Parce que, encore une fois, c'est malheureux de parler de la colonisation, mais c'est eux qui nous ont rendus jaloux vis-à-vis des autres. Avant, on n'était pas jaloux. On ne fermait pas nos cases. C'est eux qui nous ont dit, attention, celui-là va te dépasser, tu vois, il est de telle tribu, pourquoi il fait ça? Eh bien, quand vous allez dans le pays, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé, je vais en Chine en 83, et puis 10 ans plus tard, je reviens en Chine, et le patron du pays, Marchand, dit « Bonjour, 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 et bah ici, quand nous sommes là, qui ?» Et ça, ils sont soutés, et bilok est changé, nous. Oui. Deuxième exemple, moi, je vais en Inde. Mais comment vous, Congolais, vous arrivez en Inde, vous avez envie de faire un commerce? L'idée vous vient d'où? Mais comment? Vous êtes fous! Commerce de quoi? Mais tout est fait ici. Mais pourquoi chez nous, le premier qui arrive trouve une idée géniale et devient riche? Parce que nous n'avons justement pas des gens sur lesquels nous appuyer. Les riches n'existent pas. Ce sont, c'est moi le terme, des chichi boys à qui on donne un peu d'argent, $1 million à la fin de l'année. Ils croient que ça suffit. Vous n'êtes pas riche, mais les autres là sont des riches. Modeste Bonigaba, vous avez l'honneur de terminer l'émission. Oui, je termine par un exemple que je crois que vous tous, vous avez suivi. Les réseaux sociaux sont inondés de ce genre d'éléments. Une vidéo où on montre un Asiatique en train de répondre à un Africain à la question de savoir pourquoi nous en Afrique, on a l'impression que les choses ne marchent pas. L'Asiatique lui dit, mais vous êtes encore dans l'économie du 18e siècle. Il prend un exemple terre à terre. Je crois que c'était le café. Je crois qu'il a pris le café. Oui, le café de la Côte d'Ivoire. Oui, donc vous êtes le producteur d'un produit. Et votre kilo, on vous le vend, en tout cas, c'est peut-être $2. On vous l'achète. Oui, on vous l'achète à $2. Mais on le travaille, et au bout, maintenant, vous allez acheter le même kilo à $20. Comment on peut se développer si on est dans une telle injustice, une telle répartition, une telle rémunération du travail? En fait, une rémunération que nous acceptons. Mais justement, parce que la mentalité est toujours celle-là, du colonisé. Nous n'avons pas compris que ça devrait être l'inverse. Nous produisons, donc on devrait avoir 80 à 90% de la valeur. Mais parce qu'on nous a mis dans la tête que ça doit être toujours comme ça, hein, on va prendre le café à l'état brut, on fait un peu de chimie là-bas, on transforme un peu, et puis maintenant c'est multiplié par 10. Et la plus-value là, ça ne vous regarde pas. Vous restez toujours avec vos $2. C'est la même chose pour nos matières, toutes les matières premières ici. Tout à fait. Donc, lorsque nous allons comprendre cela, c'est à ce moment-là que le développement va commencer. Tout à fait. Alors, chers amis, à la lumière de tout ce qui vient d'être dit, il faut que nous soyons interpellés dans nos consciences respectives. Pourquoi devons-nous demeurer dans cet état où on veut que nous soyons tout le temps et constamment divisés? Je crois que cette émission inaugure une série auquel vous venez participer.
C'est une émission culte. Et moi, je suis heureux chaque fois qu'elle passe. Les gens vous appellent. Mais pourquoi ces émissions ne passent-elles pas partout? Non, chacun a sa spécificité. Alors venez collaborer à cette émission. Nous allons en faire la promotion. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Tel crée un ligablo, moi je crée aussi un ligablo. Quand je vois le nombre des boutiques, c'est tout le monde qui vend la même, tout, la même chose. Mais c'est pas possible. Pharmacie, c'est tout le monde qui... Non, on ne peut pas créer des riches comme ça. Télévision, c'est tout le monde qui fait la télévision. Imitation. Tout le monde qui a un homme qui a un homme qui a même pas les bossos, on a développé. Quand on a dit que mibale oyo euti libanda na oya biso moko kuluto uti kolobangwa wa alobi koyinana olingi koyamba yete ko apuye yete akoya kolekayo siko osoki alekingai azana ba capacité ya kolekangai esali nini omwe ye akende azamo kwa ba kongole akoki kokenda liboso soki ngana kokananga okimambangu makasi te. Ye a okoka, aza Kongole, a kima akoma. Tozo mikanga biso moko, Kongwe okenda liboso boete. Biso moko, tozo lingate, to tinda bana na biso na bakelasi ya solo. Tozo linga kosalaka kandenge mondele ya salaka. Lelo yo, Kongo ezana mabele ya kolona bilanga, ba agronome baza muki. To baza koutoute. Ba moniteur agricole. Baza koutoute. Or na bilanga wana toko ki ko kreye. Ba riche ndenge. Paka uti kolobawa. Lelo yo. Kongo azali na mai. Na mbisi. Bo kenda ta ko ye ko la pêcherie. Toko tinda ba na ba kende ka osala droit. Ba ya koloba français na TV. Toko tinda ka ba na ba kende osala ekonomi. Ba kende kotanga mbongo ba indien na ba chino. Na bongo, Kongo etika la kote le mate. Eloko mususu, avaris, muimi. Olingi kaka yo, kayo ganyi. Kaka yo, nyoso esala kaka ya yo. Siko oso ki yo zui nyoso, osa na mouni. Yango, tolobi, yambaloyo, toza la ekenge. Toko vote nani, mama yo vandi wana. Tout voter bato ya mayele bato bako ki agronome akolinga kusala agronomie te parce que toza ko kondi mayele susute agronomie mota kusala agronomie azawa parce que il faut ko kende na nani na zamba pi akusala biloko bako kote kamate nyonso wana toko zongela yango na emission potolongola nzoto na bakaba buzoba qui est ennemi, adversaire politique comme ennemi, on n'y a pas de bon maillé. Mais ce que tu as dit, c'est que tu n'as pas de Modeste, ce que tu as dit, je vais faire une minute, je vais faire une minute, je vais faire une minute. Je vais faire une minute, je vais faire une minute, je vais faire une minute, je vais faire une minute. Je vais faire une minute, je vais faire une minute. Na lobi kaka boye il faut bongwana hein c'est ça bongwana il faut bongwana na makanisi na biso il faut échanger parce que oyo tozaka na ngo ya koluka kaka yo nde ozwa muninga zwate wana ekotika toujours biso to la siba to kokene li bosote il faut vraiment changement de mentalité et za juste slogan te et za la solo mentalité, n'a biso comportement, n'a biso et comme il moussous. Voilà.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette émission est terminée. J'avais le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsenga Kalambaye Jean-Patrick. Vous avez écrit le prénom, mais moi j'enseigne ça dans profondeur. C'est d'abord le prénom Jean-Patrick Monsenga Kalambaye et Julon Ngoy Loliti, bien sûr, mon compagnon de tous les jours, Modeste Boligaba. Nous disons bonjour à notre ami Moubimba qui se trouve du côté de Limété. Cette émission est terminée et va passer pendant 2 semaines. Donc si vous avez envie de la suivre, eh bien suivez-la. Et si vous avez envie de venir participer à l'émission, vous n'avez qu'à nous appeler. Le jeune Julon m'a appelé. Et puis voilà, il est là sur le plateau. Mais il y en a beaucoup qui veulent participer à cette émission, qui à la dernière minute se disent « Ah, oh, Kibambi va me tuer !» J'ai tué personne. Bonsoir, bonjour et à la semaine prochaine.